Mon cher, la mamaï. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les amis, c'est pas musulman. Oh. J'ai vu ça sur plusieurs sites. Je me suis dit, est-ce que ça là, c'est pas à faire des poissons d'avril? Même si poissons d'avril, on ne veut pas ça après 1er avril. Mais c'est ça là, c'est sérieux. Les amis, je suis allé fouiller, quand même les grands journaux. Hein? Les grands journaux américains même ont parlé de ça. Les amis, c'est Blaise Compaoré. Oh. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Vous savez qu'il est en exil en Côte d'Ivoire. Là. Les amis, aujourd'hui, le verdict est tombé. Ils ont dit que ce monsieur est condamné, voilà, à perpétuité, oh, et qu'il est déclaré coupable. On dit qu'il est déclaré coupable. Et que Thomas Sankara n'est plus de ce monde parce que c'est lui qui a participé à son assassinat. Les amis, voilà, c'est le verdict qui est tombé, les amis. Et c'est grave parce qu'en ce moment-là, ce monsieur est en exil en Côte d'Ivoire. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, vraiment, prison à vie. Ils ont dit prison à vie pour Blaise Compaoré. Donc, il y a notre frère Kémy Séba. Voilà le panafricaniste Kémy Séba qui a fait une directe là. Donc, je vous laisse l'écouter parce qu'il a donné son avis concernant ce sujet. Donc, à tout à l'heure. Bye bye. En ce qui concerne le procès portant sur l'assassinat de notre martyr, du président Thomas Isidore Sankara. Avant toute chose, je vais vous laisser vous connecter, connectez-vous. Mais avant toute chose, clairement et simplement, je tiens à féliciter, à remercier Maître Prosper Farama, l'un des meilleurs avocats africains que la planète ait connu. Un homme d'une détermination sans faille, un homme d'une abnégation sans faille, un homme qui aime son continent, son peuple, à en mourir. Un homme qui est prêt à tout pour que son peuple puisse obtenir justice. Je vous demande déjà en premier lieu de rendre hommage à cet avocat qui s'est battu nuit et jour, c'est notre avocat, d'accord, il nous défend dès qu'il en a la possibilité, qui s'est battu nuit et jour pour que la famille Sankara, et surtout pour que tous les Sankaristes, parce que Sankara n'appartient pas à sa famille, il appartient à l'Afrique aujourd'hui dans sa globalité, d'accord, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour que notre peuple puisse se lever, et aujourd'hui encore le néocolonialisme qu'il a tué est plus que jamais présent, et donc il est tout à fait normal que tous les enfants politiques, tous ceux qui se sentent concernés par Thomas Sankara, réagissent à cette situation. Nous sommes tous des Sankaristes aujourd'hui. Tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique se reconnaissent d'une façon ou d'une autre en lui. Et Maître Prosper Farama est un homme que l'on doit célébrer, que l'on doit remercier, d'accord, que l'on doit soutenir, que l'on doit encourager par rapport à la dynamique qui est la sienne. C'est le premier point. Le deuxième point, parce que je pense que c'est nécessaire aussi de l'évoquer, nous ne pouvons que nous féliciter que l'un des plus grands traîtres de l'histoire du continent africain, l'un des plus grands criminels de l'histoire du continent africain, l'un des plus grands pions du néocolonialisme occidental, en l'occurrence Blaise Compaoré, a été jugé coupable de l'assassinat de notre martyr Thomas Isidore Sankara. Je ne vais pas vous mentir, je garde les lunettes parce qu'il y a le soleil, mais je garde les lunettes aussi parce que j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu ce verdict. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est le cas de le dire. Depuis trop longtemps, nous attendons que justice soit rendue, qu'une once de justice soit rendue. Et enfin, tant d'années après la mort de notre président, de notre martyr, un début de justice, et je dis bien un début, vous allez comprendre pourquoi, est en train de voir le jour. Et donc nous remercions la justice du Faso pour cet acte de bravoure. Mais il faut aussi que l'on agisse avec justice et justesse, en disant que, bien évidemment, nous félicitons la justice du Faso pour avoir reconnu coupable toutes ces personnes que la rue africaine sait être coupable depuis des années. On n'a rien appris aujourd'hui. Hein. On n'a strictement rien appris aujourd'hui. Nous savons qu'ils étaient coupables. Nous savons leur responsabilité. Nous savons leur trahison. Eux tous qui étaient au départ des proches du président Thomas Isidore Sankara et qui se retrouvent aujourd'hui reconnus par la justice, même s'ils étaient reconnus par le peuple depuis déjà des années comme étant des meurtriers de notre martyr. Nous savions tout ce qui était en train de se passer. Mais il manque un facteur. Et je pense qu'il est important que l'on puisse deviser, réfléchir, élever nos pensées en ce qui concerne ce facteur qui n'a pas été suffisamment cité. Thomas Isidore Sankara a été assassiné. On a pointé du doigt les marionnettes qui ont contribué à son assassinat.
mais quid du marionnettiste? L'oligarchie française, le néocolonialisme français qui continue à persécuter notre peuple, qui continue à asphyxier notre peuple, qui continue à détruire notre peuple, qui continue à coloniser, à piller les ressources de notre peuple, s'en sort encore une fois, pour l'instant, innocent par rapport à l'assassinat de notre martyr. Nous savons que Blaise Compaoré, qui a été l'un des plus grands agents du néocolonialisme français en Afrique, d'accord, n'a pas agi seul. Il a agi et il a été soutenu. La preuve en est que dès qu'il a accédé au pouvoir, il a livré le Faso. Il a été le plus grand gendarme du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Donc si, je m'écarte un peu, il y a la musique. Vous voyez un petit peu le décorum africain, c'est important aussi, d'accord. Je ne vais pas toujours vous montrer les tropiques, etc. Je vous montre aussi l'Afrique telle qu'elle est. Leur tradition, leur modernité n'est pas la nôtre. On vit dans notre monde, dans nos réalités. Et on est heureux d'être en Afrique plus que jamais. Mais donc, si Blaise Compaoré, lorsqu'il a accédé au pouvoir, lorsqu'il est devenu président, qu'il est devenu l'un des plus grands agents des intérêts français, là par contre, ils ne vous disent pas agent, agent d'influence français. Hein. Quand on collabore avec la France, on n'est pas agent d'influence pour eux, pourtant c'est un agent d'influence. D'accord ? Blaise Compaoré a été reconnu coupable, mais pourquoi on ne reconnaît pas coupable les forces qui sont celles qui ont commandité le crime? Ce sont des questions de fond qu'on doit être capable de se poser. Ce doit être plus que jamais une réflexion que l'on doit évoquer. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam à ne parler que d'une facette de ce crime sans parler de l'autre facette qui est à la base de ce drame. Nous devons réfléchir à cela. Blaise Compaoré a été reconnu coupable. Nous notons d'ailleurs qu'à la différence de Diendéré et autres qui... Diendéré qui était présent au procès, qui sont reconnus coupables, gloire à Dieu, qu'ils payent pour leurs crimes. Mais nous savons aussi que notre cher Blaise Compaoré n'est à l'heure actuelle pas au Faso. On doit en parler. Blaise Compaoré est soutenu par deux entités, et en réalité par une seule. Parce que la première entité que je vais citer, vous allez comprendre que plus que jamais, il est soutenu par une seule. Blaise Compaoré vit une retraite dorée. Ce fumier, ce criminel politique du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il défend plus que jamais un criminel. Fric libre ou la mort, nous vaincrons. Je serai donc, comme je vous le disais, au Burkina Faso, sans doute dans les jours à venir. D'accord ? Je serai aussi du côté de la Guadeloupe, toujours dans cette logique de lutte contre le colonialisme, parce que notre peuple du côté des Caraïbes est asphyxié, est étouffé, et cela ne peut plus durer. Ils finiront par comprendre, je vous aime en crever. Je vous aime en mourir. Nous ne laisserons plus jamais les autorités françaises, le système français et leurs médias qui essayent de nous intoxiquer, les journaux Le Monde, les journaux Jeune Afrique, etc., etc., dire pour l'Afrique ce que l'Afrique doit faire pour elle-même. Cette période est révolue. Cette période est révolue. Je vous aime. À très vite. Restez connectés. Et oui, restez connectés. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et en tout cas, courage, oui, courage à la famille, aux proches de feu Thomas Sankara. Vraiment, Yako, c'est pas facile. Depuis combien d'années vous souffrez comme ça? C'est pas du tout facile. On espère que les choses, la justice va s'appliquer comme il se doit. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Houle que, on y va. Houle que, houle que, houle que. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Bon pé. Tcha 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 tcha. Et où les mes amis? Mon cher, la mamaï, la mamaï, la mamaï.